Arrête. C'est Bryce. C'est Bryce. Ah, Bryce. Comment je me sens? Je pense que ça se voit, on peut être que contente là. On finit avec les filles, on ne pouvait pas finir mieux. Et je pense qu'on a vraiment joué un bon match. Donc là, je pouvais... J'arrive. Je pourrais pas me sentir mieux. Viens là. Bryce. C'est Bryce. Prochaine question, Bryce. Ça va, épuisé. Enchaînement final en Finlande, arrivé lundi, match lundi soir, 4 matchs. Là, je suis épuisée, mais je suis tellement contente qu'on finisse comme ça. On part en remettant l'équipe de France dans le mondial élite et puis avec un public de fou. Et c'était ce qu'il fallait faire, donc on l'a fait. Je suis rincée, mais je suis soulagée. Écoute, je réalise pas là, j'ai l'impression qu'on va rejouer demain. Donc j'essaye juste de profiter un max. Tu sais que j'ai beaucoup d'émotions d'habitude, mais écoute, là, je profite. Je pense que je vais avoir un petit down plus tard. Mais là, c'est un peu à l'image du tournoi. Je prends tout ce qu'il y a à prendre et puis on verra la suite. Mais on a rempli la mission, on a gagné, on a fait briller l'équipe de France. Donc écoute, on part avec un peu le sentiment du devoir accompli, tu vois. Beaucoup d'émotions là, ça fait du bien de finir comme ça sur une note positive. On était venu pour gagner et on repart avec la médaille d'or, donc c'est objectif accompli. Ah, je sais pas encore là, je vais juste profiter un peu et je mets un terme à ma carrière internationale, c'est sûr. Et pour le reste, je vais prendre un peu de temps pour moi et on verra ce que je ferai la saison prochaine ou l'année prochaine. Non, là c'est bon, j'ai fait le tour, je suis en accord avec ma décision et je suis contente de terminer comme ça. Merci à toutes les filles qui ont préparé cet événement, c'est incroyable. C'est beaucoup d'émotions ce soir. On termine sur une bonne note, donc c'est le principal. Il y a la montée, malheureusement on ne sera pas là, mais merci pour ces moments incroyables que j'ai vécu avec l'équipe de France. C'est une longue période de ma vie. Maintenant, je dois passer à autre chose, mais voilà, c'est la fin malheureusement, mais j'ai vécu de super moments et voilà, c'est fini. T'es prête pour la suite ? Ouais, je pense que je suis prête mentalement. Après, va y avoir, je pense, des périodes difficiles, mais je sens que je suis prête. Voilà. On est prête, évidemment. On est prête à recevoir les dotations Nike. On est prête. On a montré, on a des jeunes joueuses du talent et on sera prête. C'est la ligne des puces aussi. Hein. La ligne des puces. Puce Athéna, puce Vio, puce Pius. Chloé. Ça, puce parce qu'elle est américaine. Puce Chloé, puce Estelle et puce Clara. Clac clac. Voilà, ouais. Exact. Okay. C'est l'interview la plus pourrie que j'ai jamais fait. Profitez. Ouais.